Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé, mais très intéressant. Les filles qui utilisent leur physique pour réussir sur Twitch et obtenir beaucoup de donations. Je vous parle de 5 000, 10 000, 20 000 euros par jour. Comme vous le connaissez, Twitch est une plateforme de streaming où des millions de gens partagent leur passion, que ce soit du gaming, des lives IRL, de la cuisine et bien plus encore. Cependant, certains streameuses sont accusées de tirer parti de leur apparence pour attirer les spectateurs et obtenir des donations. Mais est-ce vraiment le cas? Comment cette streameuse va se présenter? Sorry, I have an addiction to bopping it. The game by Hasbro. Comme vous le voyez, il y a 300 000 abonnés. Est-ce que vous pensez qu'ils sont là pour son décor, pour son ordinateur ou pour autre chose? Et je suis sûr que même 99% des gens qui la regardent, c'est des mecs qui ressemblent à ça ou ça ou ça. Un autre exemple, vous voyez elle est mouillée. Est-ce que sincèrement, vous pensez qu'elle est là pour juste discuter? Tout est calculé. Regardez même comment la caméra est posée, comment tu peux tout voir, comment ils savent exactement ce qu'ils font. Mais si tu leur parles, ils vont dire non, on crée du contenu, c'est un travail, c'est ça, c'est ci. Mais n'oubliez pas que la plupart utilisent des sites privés où ils vendent des photos d'eux. Je dirais pas tous, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple, elle fait un live de sport. Sport, je vous dis. Je ne sais pas combien d'euros elle a gagné, mais regardez, il y a écrit 6899. Elle en demande 20 000. Ok, elle a le droit, mais sincèrement, est-ce qu'elle est là vraiment pour faire un live de sport? Est-ce qu'elle croit que les gens sont chez eux à faire du sport comme elle, à la suivre? Et vous, vous en pensez quoi?